trois semaines plus tard. Le temps qui lui restait s'est écoulé. Et Sadoula va devoir maintenant payer pour l'or volé. Le problème, c'est que plus personne ne va le respecter. Je te raconterai en détail comment ça s'est passé. Pas la peine. J'y suis également invité. Je vois. Tu as rapidement obtenu les faveurs de Niyat, hein? Je les ai obtenues parce que je fais de l'excellent travail. Ouais. Bon, je vais te dire un truc important. Ne m'appelle plus jamais. Ne viens plus chez moi pour me voir parce que c'est beaucoup trop dangereux. Nous devons faire très attention désormais. Et je n'ai plus besoin de ton aide. Je vois. Tu es en train de m'annoncer que je suis virée, Igit. Ne t'inquiète pas. Je m'assurerai que tu seras payé. Comment tu vas, Daria? C'est bon, pas la peine de crier. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es disputée avec ta mère? Non, je suis simplement un peu nerveuse. Ça te dirait qu'on aille manger un morceau ensemble? Et c'est moi qui régale. Oui, ça me ferait du bien. Je crois que je m'ennuie un peu. Très bien, je suis devant chez toi. Mets tes chaussures et descends, je t'attends. Et Cybèle, prends pas 2 heures comme tu le fais d'habitude, d'accord? Ok. Bien, nous avons une réunion avec Kemal concernant le cas d'un type qui s'appelle Monsieur Insa. C'est l'un de nos plus importants clients, Emir. C'est un important industriel, je suis sûr que tu le connais. Oui, oui, bien sûr. Parfait. Je veux que tu joignes l'équipe sur cette affaire, Emir. Et tu dis bien le dossier. Ok. Merci de votre offre. Pour avoir des nausées. Très bien, on va se faire un déjeuner entre filles. Il me fallait ça. Super, on y va. Allons-y. On va se faire un déjeuner, tu veux venir avec nous? Non, là, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que... Est-ce que ça va? T'as pas l'air bien. Ça va, mais je me sens juste un peu fatiguée, alors je vais aller m'allonger quelques minutes pendant le déjeuner. Ok, alors à plus tard. À plus tard. Elle agit de manière suspecte. Chut, jette un coup d'œil. Ah, oh, celle-là, je la reconnais. Quoi? Elle travaille au pavillon. Chut, derrière. Hey, salut, qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches Igit? Eh oui. Elle a dû le voir. Igit est à la maison. Est-ce que tu es amoureuse de Igit? Ou peut-être toi, d'ailleurs? Ah. Bien sûr que je ne le suis pas, j'ai aucune attirance pour lui. Ouais, tu peux la croire, la position sociale de Igit est un repoussoir pour l'amour de Cybèle. Il est très ambitieux. Quand il décide d'obtenir quelque chose, il l'obtient. On ne devrait pas discuter au beau milieu de la rue, viens derrière. C'était chouette de te revoir, je voulais oui, dire pareil. Bonjour. Prends bien soin de toi, surtout. Enchantée de t'avoir connue. Je l'ai vu embrasser Yigit par la fenêtre. Tu déconnes? S'embrasser? Je te le jure, derrière. Alors, il faut qu'on aille tout de suite le dire à Mademoiselle Cendrillon, la pauvre Fibra. Non, arrête, on va pas l'embêter avec ça. Elle est toujours sur son nuage. Je veux dire qu'elle le découvre par elle-même, après tout. J'ai bien peur que son cœur ne le supporte pas. Prenez place, nous vous attendions.
Ce jeune homme que tu viens de mettre sur le cas, n'est-il pas un peu trop jeune? Ne t'inquiète pas. J'espère que tu plaisantes. Réfléchis ne serait-ce qu'une seconde. Donner un cas aussi important à un gamin sorti de nulle part. Quand tu l'entendras, tu comprendras qu'il m'allait rapidement. Allez, il nous attendait. Très bien. Nous allons démarrer. Monsieur Capin de Monsieur Demir vous attend. Je m'en vais, Kubra. Toi, tu fermes la boutique et tu rentres. Je reviendrai plus tard. Ou bien je ne rentrerai pas. Très bien, les gars. L'heure est venue, alors donnez-moi le sac. Alors, tu vas nous dire ce qu'on va faire, Yigit? Attends, on ne craint rien quand même, dis-nous. Mais non. Très bien. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Je me sens nauséeuse et est-ce que je pourrais avoir quelque chose pour l'estomac? Nous ne faisons rien sans ordonnance. Vous ne croyez pas que vous devriez aller voir un docteur? Ça ne sert à rien, ce n'est pas grave. C'est sans doute une petite grippe. Vous avez des nausées, rien d'autre? Peut-être de la fièvre? Pas de fièvre, simplement des envies de vomir. Je me dis que ça doit être la pollution. Vous savez, parfois l'air ambiant peut vous rendre malade. Vous êtes peut-être enceinte? Je serai enceinte. Je vais vous donner un test. Combien est-ce que je vous dois? Ça fera 5 livres. Voici la monnaie. Qu'est-ce que je vais faire si je suis enceinte? Est-ce que je peux avoir confiance en Yigi? Est-ce que tu te fais du souci pour nous? Relax. Tu es très importante pour moi. Tu le sais, hein? Je sais. Tant mieux. Là. Tu sais, je n'ai aucun doute sur toi, Yigit. Tant mieux. Tu peux me croire. Je te fais confiance. Je bois un thé avec celui qui va partager ses vieux jours avec moi. Qu'est-ce qui pourrait me faire plus plaisir? Tu es devenue ma famille, Yigit. J'avais tellement peu confiance en moi que je pensais que j'allais vieillir avec mon père. Je pensais rester vieille fille. Tu es une telle source d'espoir pour moi. Tu as tellement égayé ma vie et je sais que nous avons un futur ensemble. Je sais.
Est-ce que tu as découvert qui t'a volé, Sadoula ? J'y travaille, Monsieur Demir. Si vous pouviez me donner encore... Pourquoi as-tu besoin de temps ? Monsieur Demir, je peux rapidement vous trouver 5 millions. Il me faut quelques jours pour Monsieur pouvoir... Monsieur Aki va nous rejoindre dans quelques minutes. Et nous devrons lui donner soit l'or, soit les auteurs du vol, ou nous n'aurons pas la moindre chance. Mais en fait... En y réfléchissant, peut-être que s'il voit ton corps, j'aurais peut-être une chance de le calmer, tu vois. Une minute, Monsieur Demir. Toi, qu'est-ce que tu veux ? Peut-être que tu veux le faire toi-même ? En fait, j'en attendais pas moins de toi, Yigit. Charge-t'en. Monsieur Demir, j'ai l'or dans cette valise. Tu veux dire que tu as volé l'or ? Monsieur... Quel idiot ! Je le savais, Monsieur Demir. J'avais une excellente raison. J'ai bien entendu. Parce qu'en plus, tu admets que tu l'as fait. Mon but était de vous montrer les failles de votre système de sécurité. Yigit, tu as volé l'or qui nous appartenait. Tu n'as pas idée de la personne à qui tu l'as volé. Tu ne te rends pas compte de la punition qui en découle. C'est vrai. Vous voler est un acte qui doit être puni, monsieur. Arrête de tourner autour du pot. Où est-ce que tu veux en venir? Je veux dire, punissez le type qui a volé l'argent de votre propre véhicule. C'est Sadoula. Moi, j'attendrai mon tour. Il vous ment, Monsieur Demir. Il est en train de vous mentir, je vous jure. Écoutez, on ne peut pas lui faire... Tu n'as pas mon affaire, hein? Tu n'as pas volé de l'argent, toi aussi? Non. Je suis un peu perdu, les gars. Lequel je tue en premier? Monsieur Demir, je vous jure sur ma fille Kubra qu'il est en train de vous mentir. Il a juré sur sa fille. Désolé, il n'y a rien de plus puissant que ça. Si vous voulez... Pourquoi vous ne me laissez pas le faire? Je le tuerai. Ok, tu lui as foutu la trouille. Mais qu'est-ce que tu vas lui faire? Eh bien, durant le cambriolage, Boo, il va avoir une grande frayeur. Ouais, ce bâtard sera tellement humilié d'ici demain matin. On verra comme ça s'il ose se mesurer à Niat. Quand on la ramène trop, faut pas s'étonner de passer à la caisse. Et ça vaut aussi pour toi, d'accord? Mais à qui il pense avoir affaire, hein? Voilà, tu l'as, ta preuve, Niat. Le traître se tient juste là parce que c'est lui qui t'a cambriolé. Monsieur Demir... Fais-moi écouter une nouvelle fois, s'il te plaît. Monsieur Demir, tout ça est un mensonge. Je vous dis qu'ils m'ont piégé. Ok, tu lui as foutu la trouille. Mais qu'est-ce que tu vas lui faire? Eh bien, durant le cambriolage... Boo, il va avoir une grande frayeur. Boo? Boo, ouais. Boo. Ramenez-le chez lui. Monsieur Demir. Je t'appellerai demain matin, Sadoula. Et là, tu auras de mes nouvelles. Je trouve que tu es dangereux. Un jeune homme très dangereux. C'est comme ça que je me vois. Oui, je me considère comme très dangereux. Monsieur Aki, bonne nouvelle, nous avons trouvé l'or. Très bien, je vais vous l'envoyer. Nous avons découvert qui l'a volé. Je m'en occuperai. J'ai beaucoup aimé ton piège. Tu es intelligent. Tu n'as aucune pitié. Du coup, je me dis qu'il vaut mieux t'avoir avec nous. Tu as donné une bonne leçon à ce vieux croulant, Didan. C'est ce que j'appelle un coup d'éclat. On va le laisser se reposer un peu. Mais les affaires n'attendent pas. Sadoula était sur une très grosse affaire, il s'en occupait depuis quelque temps.
Je crois que je vais te la donner. Alors dis-moi, tu penses que tu peux t'en charger? Vous pouvez me faire confiance, monsieur Demir. Très bien, on verra. Viens demain, on en parlera. Qu'est-ce que je peux faire, Niat, pour te déstresser? Tu sais que tu m'appartiens désormais, ma chérie. Si je te vois, ne serait-ce que dire bonjour à ce jeune homme, ou à qui que ce soit d'autre d'ailleurs, je te tuerai, compris? Je te déteste. Je vais te faire savoir qui je suis vraiment. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je vais te plomber, tu papa, vas voir. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Je vais tuer ce sale bâtard de Yigit. Oh, papa! Je ne veux plus aucune surprise de la part de Yigit. Ce genre de type aux dents longues est très dangereux. Garde un œil sur lui, tu veux? Ne vous inquiétez pas. Regarde-moi un peu ce crétin. Oui, c'est un crétin. Regarde où il se gare. Regarde, devant la porte. Papa! Espèce de sale petite ordure. Papa, réveille-toi, papa. Papa, non. Reculez-vous un peu, c'est mieux pour lui, là. J'appelle une ambulance. Je l'appelle tout de suite, Cubra. Viens avec moi, Cubra. Allô? Surtout, ne te presse pas, mon cher Sadola. Le meilleur reste à venir. Tu comptes rester encore longtemps? Il me reste quelques petites choses à faire. À demain. J'aimerais vous présenter. Emir Kilik, je te présente Kemal Usharier. Comment allez-vous? Oh, pas trop mal. Il travaille même le soir. Vrai bourreau de travail. Tu ne perds pas tes habitudes de faire travailler les petites mains non-stop. Ça, laisse-les vivre, tant qu'ils sont encore jeunes. C'est vrai, Emir. Pourquoi es-tu encore là? Bon, en fait, dans le cas de Nalan Kabagoz, un truc m'a sauté aux yeux. Mais le conducteur qui a frappé cette femme a admis le crime dès le début de l'enquête. Il faut que tu l'aides à obtenir la plus petite peine possible. Oui, mais, monsieur, ce qui est vraiment étrange, c'est qu'il n'avait aucune raison de la tuer. Je veux dire, il n'y avait aucun problème entre eux et il n'a pas même volé ses bijoux, son argent, son sac ou autre chose. Je pense que pour une raison ou pour une autre, quelqu'un essaie de jeter le blâme sur lui. Je veux dire, je ne suis pas sûr, je jette un œil. J'en doute, mais on pourra en reparler. Très bien, je meurs de faim, allons-y. Laisse ce dossier où il est et viens avec nous, Emir. Non, ça va. Passez une bonne fin de journée. Et bonne fin de journée aussi. Une seconde, Sarp. Tu as perdu la boule. Tu vas te créer des ennuis pour rien. De quoi est-ce qu'il parle, ce gamin? Je m'en occuperai, ne t'inquiète pas. Écoute-moi bien. Nous sommes sur le point de réussir notre coup. Mais si
Mais si j'ai le moindre problème avec ça, tu en entendras parler depuis les plus hautes sphères, c'est compris. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Il est nouveau, il essaie de m'impressionner, c'est parfaitement normal tout ça. J'espère vraiment qu'il va s'en sortir. Il avait très mauvaise mine, hein. Allez, maman, rentre, s'il te plaît. Démarre, Yigit. Cybèle, il m'a quand même menacé avec une arme. Et maintenant, tu veux que j'aille à l'hôpital pour m'informer de son état? On n'y va pas pour Sadoula, on y va pour soutenir Kubra, voyons. Tu crois tout de même pas qu'on va la laisser seule? C'est pas vrai. Deria, si tu veux, reste ici et essaie de contacter Emir. Et tu nous rejoindras okay, avec lui. Allez-y maintenant, je viendrai avec Emir. Oh, génial, et maintenant j'ai plus de batterie. Deria, pourquoi Cybèle est montée dans la voiture de Yigit? Pourquoi toi, tu n'y es pas allée à sa place? Oh, Madame Hauser, regardez ce qui s'est passé. Ce trajet est la seule chose qui vous inquiète. Deria, pourquoi est-ce que Sadoula a menacé Yigit de son pistolet? Est-ce que tu as vu ça? Il est venu pour le tuer et maintenant c'est lui qui part à l'hôpital. Je veux dire, je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé. Vous pouvez m'indiquer une prise de courant? Juste là, il y a une prise juste là. Raconte-moi tout, Deria, je suis curieuse, vas-y, dis-moi. Oh, en fait, vous êtes arrivée une seconde trop tard à la fenêtre. Et il s'est passé beaucoup de choses, vous avez loupé le meilleur. Vous avez pas eu de bol sur ce coup-là. Et veux-tu arrêter avec tes moqueries? Dis-moi tout. Pour quelle raison Sadoula a menacé Yigit? Ça, nous ne savons pas encore. Par contre, c'est quand Kubra a dit « Arrête, papa, je suis enceinte de Yigit » qu'il a eu une crise cardiaque. Oh. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire, Madame Hauser. Eh bien, c'était de nouveau une très belle journée en Turquie. La pauvre petite Kubra. En même temps, je ne suis pas surprise, elle apportait souvent des repas dans cette maison. Je suspectais quelque chose, mais je ne comprenais pas si elle était amoureuse de Yigit ou alors si elle était amoureuse d'Emir. Bon, et qu'est-ce qui va arriver maintenant, Deria, hein? Vous le comprendrez suffisamment tôt, je l'espère, Madame Hauser. Ah, nous venons de vivre un de ces moments. Entrepreneuse en vogue, Nalan Kabagoz nie toute rumeur concernant cette relation. La femme de Kemal Userler, Umran Userler, déclare « Mon amour pour Kemal est aussi fort qu'au premier jour. » Le chauffeur et le meurtrier. Oui, Deria? Où est-ce que tu es? Au bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais tout te raconter, mais ne panique pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir. Il doit être très occupé. Je comprends pas ce qui va pas, Selim. Il avait l'or ici avec nous. Alors je comprends pas pourquoi on a pris ce risque-là. Eh bien, moi je dirais que... il sait quelque chose. Bah moi, je crois pas, en fait. Je pense que tout ce qu'il fait, c'est motivé par la vengeance. Mais tu l'as vu envoyer Namik en enfer? Non, je dirais pas qu'il l'a envoyé. C'est Namik qui a sauté. Eh. Et imagine qu'il ait pas sauté. Ça, je veux même pas y penser, Selim. Parce qu'au moins, ce scénario nous évite d'être des tueurs. Je vais te dire ce que je pense, Ether. Je pense qu'on y est jusqu'au cou et qu'on pourra plus s'en sortir. Si un de ces jours il faut liquider quelqu'un, j'espère qu'il nous enverra pas. Je comprends. Ok. Dans quel hôpital est-il? Trouve-le et fais-le-moi savoir. D'accord. Monsieur, Kemal est là, il peut entrer? Bien sûr.
Kubra a dit qu'elle était enceinte de toi pour te sauver. Eh bien, écoute, je l'espère. Kubra serait pas assez stupide pour tomber enceinte de toi, quand même. Je pense vraiment qu'elle l'a fait pour arrêter son père, voilà, c'est tout. Je t'avoue que je ne m'y attendais pas. Alors c'est quand même possible? Il y a une chance qu'elle soit enceinte de toi? Ah, je ne sais pas et on s'en fout. Mais... la seule chose que tu sais dire, c'est que tu t'en fous. Bon, pourquoi est-ce que tu cherches à me provoquer sur ce sujet? Ok, tu as raison, pardon. J'avais oublié que c'était impossible de discuter avec un mec aussi irresponsable que toi. C'était une erreur de faire confiance à Sarp. Il a donné le cas à un avocat beaucoup trop jeune. Et ce gamin creuse trop profond. Oh, arrête de t'inquiéter, Kemal Sarp doit sûrement savoir ce qu'il fait. Il a sauvé pas mal de mes hommes dans le passé. Comment s'appelle le gamin? Emir Kilik. Kilik. D'accord. Je vais m'en occuper. Je suis sûr que ce n'est rien. À propos, est-ce que tu as payé la famille du chauffeur? J'ai acheté un appartement tout neuf dans le quartier d'Ali Bekoy à sa femme. Et sa gamine va aller à l'université maintenant. Je les ai payés. J'ai mis du liquide sur leur compte aussi. Ah, très bien. Il n'aurait jamais pu avoir ce genre de vie avant ça. Il doit t'en senser maintenant. En plus, en étant en prison, il sera logé nourri aux frais de la princesse. Ok, ne t'inquiète pas pour ça. On va trinquer. J'allais justement t'appeler. Est-ce que tu as parlé aux Chinois? Est-ce qu'ils ont accepté notre offre? Écoute, Nihat. Si je vais en prison, on peut dire adieu à toutes nos affaires. Est-ce que tu comprends? Kemal, tu es beaucoup trop nerveux, tu sais. Esref! Nous continuerons cette conversation plus tard. Il tue une bonne femme et il me donne des maux de tête. Je vais l'enterrer un de ces jours, tu peux me croire. Et un autre avec. J'enterrerai Sarp. Parce qu'il a engagé ce fouille-merde comme partenaire au cabinet. C'est le type le plus incontrôlable et le plus instable qui existe et maintenant on doit le gérer aussi. Je dois m'en charger alors? Pas encore. Nous avons encore beaucoup trop d'affaires en cours avec ce type, j'en ai bien peur. Il faut rester vigilant. Par contre... est-ce que tu pourrais en apprendre un peu plus sur cet émir Kilik? À vos ordres, monsieur Demir. Kubra! Il va bien? Je ne sais pas. Dites-moi quelle est la situation. Chut. Bon, essaie de te calmer. On va leur demander des informations. Papa. Oh, il faut vraiment qu'il s'en sorte. Il y a de nombreuses personnes qui aident ton papa. Ne t'inquiète pas, il va s'en sortir. Je ne voulais pas te l'annoncer de cette manière, Yigit. Mais j'ai vraiment cru qu'il allait te tuer. Donc tout ça est bien vrai? Tu es vraiment enceinte, Kubra? C'est vrai. Je ne voulais pas te le dire comme ça, Yigit.
Je ne voulais pas l'entendre non plus, Kubra. Quoi ? Je ne comprends pas. Puisque nous nous aimons, Yigit. Je sais que c'est soudain, bien sûr. Mais nous sommes deux personnes amoureuses. Et moi, j'adore les bébés. Tellement. Je suis sûre que quand tu auras le bébé dans tes bras, ce tout petit bébé, eh bien, tu craqueras. C'est le nôtre. Et il nous appartient. C'est le fruit de notre amour. Kubra, est-ce que tu as pété un câble? Hein? Attends, de quoi est-ce que tu parles? Comment ça, le fruit de notre amour? Regarde-moi. Il faut que tu subisses un avortement. Est-ce que tu m'entends, Kubra? Je payerai ce qu'il faudra, mais tu vas te faire avorter tout de suite. Hors de question de garder ce bébé, c'est compris? Yigit. Kubra. T'es vraiment un salaud. Ça pouvait pas plus mal tomber. Ouais, quoi? Hey, Yigit. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il t'a menacé d'un pistolet? Oui, en effet. Mais heureusement, pendant qu'il hurlait, il a fait une crise cardiaque et ne s'est pas encore relevé. Dis-moi, est-ce que tu en as informé, Monsieur Demir? Ok. T'as pas intérêt à clamser, Sadoula. Kubra? Émir, je ne veux pas d'un enfant, alors je t'en supplie, ne me fais pas de sermon pour l'instant. Tu m'as encore menti, Yigit. Je t'avais prévenu pour Kubra, je crois. Et toi, tu m'as fait croire que tu l'aimais. Écoute, Émir, je suis à deux doigts de tout péter. Je n'ai pas besoin de ta colère. Si tu as des envies de m'insulter, je préfère que tu te casses. S'il fallait qu'on épouse toutes celles avec qui on couche, ce serait le bordel. Oh, oh! Elle peut avorter, on n'en parle plus. Pas si fort, les filles sont juste là. Qui te parle de l'épouser? Je suis juste en train de te parler de respecter une femme. C'est aussi simple que ça. En plus, c'est pas n'importe qui. C'est la fille de Sadoula. Je ferais mieux de la fermer. Pourquoi est-ce que tu t'énerves comme ça, hein? C'est exactement ce que tu voulais. Il est à l'hôpital, elle est bouleversée. Tu es arrivé à tes fins, tu as piétiné Sadoula. Qu'est-ce que tu attends de moi, que j'ai pitié de ce pauvre Sadoula? Mais dis-moi, qu'est-ce que Kubra t'a fait? Ce que tu lui as fait, c'est vraiment dégueulasse. Oh. Sadoula nous a fait du mal, mais ce que toi, tu as fait, c'est maltraiter Kubra. C'est bon, j'ai eu ma dose ce soir. Casse-toi. T'inquiète pas, Kubra. On va trouver une solution, on va trouver un docteur pour ça. Là, tout le monde est sous le choc. Après quelques temps, tout le monde aura repris son calme, je pense. Pourquoi tu lui donnes de l'espoir, Deria? Ils vont pas signer le registre d'état civil et on va pas être les témoins de leur mariage, hein, crois-moi. Il était sous le choc, Cybèle, entre cette nouvelle et le pistolet sur la tempe, le pauvre. Les filles... C'est bon, ne parlons pas de ça pour l'instant. Je m'inquiète juste pour la vie de mon père.
Et puis je sais que Yigit est sous le choc. Une fois passé, il sera heureux de la nouvelle, j'en suis sûre. Qu'est-ce que je peux y faire? Mais la seule chose pour l'instant, c'est mon père. Je n'ai personne d'autre que lui. Tu nous as, nous. Tout se passera bien, tu verras. Comment se porte-t-il, docteur? Il est hors de danger. Oh mon Dieu, merci. Alors, est-ce que je peux le voir? Il a eu une crise cardiaque, mademoiselle, et il a besoin de repos. Vous devriez vous reposer. Tout ira bien. Merci. Il a dit qu'il se portait mieux, alors pourquoi tu pleures, Kubra? Laisse-la pleurer, c'est bon. Parce qu'elle a besoin d'évacuer. Ok. Tiens, prends ça, bois un peu d'eau. Je comprends pas pourquoi on donne de l'eau à des personnes qui pleurent. Est-ce que l'eau remonte le moral ou un truc comme ça? Sans doute. C'est une de ces petites astuces, c'est bien connu. L'eau est source de vie. Ouais, souris comme ça, c'est mieux, je te jure. Je vais bien. Vous devriez y aller, les filles, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Oui, mais si on y va, tu vas devoir nous accompagner. Je ne peux pas laisser mon père maintenant. Arrête ton char, Kubra. Souviens-toi de ce que le docteur a dit. Il te laissera pas entrer, tu vas rester ici dans la salle d'attente. On rentre toutes, allez. Non, merci, toutes les deux, mais allez-y. Je préfère attendre ici qu'il se réveille. Kubra, tu vas finir par m'énerver. J'ai des scènes demain et mes yeux et mes joues seront toutes gonflées à cause de toi si je passe la nuit ici. Allez, viens, on y va. Allez. Où est-ce que t'étais? On t'a quand même attendu ici toute la nuit. J'ai de très bonnes nouvelles. On nous a donné un nouveau boulot. Un truc plus gros. Tu allais leur rendre tout l'or que nous leur avons volé? Et maintenant ils veulent nous donner un nouveau boulot? Oui, en effet, tous les sacs de pièces d'or leur ont été rendus. Et crois-moi, ça a été la roulette russe et j'ai eu énormément de chance. Et maintenant, on nous donne un plus gros boulot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Selim? Il faut qu'on agrandisse le groupe maintenant. J'ai besoin d'hommes qui soient un peu plus solides. Une seconde, Yigit. Qu'est-ce que tu veux dire? On n'est plus partenaires, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez tous à faire du drame ce matin? Je n'ai pas encore bouffé et je ne suis pas d'humeur à supporter ça. Raconte-nous. Pour l'instant, je ne sais rien. Oh! Alors, vous avez ouvert le garage ce matin et vous restez assis. Et la vie continue pour vous, rien ne change, bien sûr. Malgré ce qui est arrivé à Kubra. On peut savoir ce que tu viens faire ici? Tu sais parfaitement ce que je viens faire ici, Yigit. Alors écoute, tu n'as pas intérêt à t'en mêler parce que ça ne te regarde pas. Si tu règles l'affaire, Yigit, je ne m'en mêlerai pas, je peux t'en faire la promesse. Elle est effondrée et toi, t'es où? Eh ben, dites-nous, qu'est-ce qui se passe ici? Oh oh! Il vous a pas annoncé la bonne nouvelle, il semblerait. Alors laissez-moi vous le dire, Sadoula va devenir grand-père grâce à notre cher Yigit. Dis-moi, ça faisait partie d'un plan, n'est-ce pas? Tu t'en fiches complètement, en fait, de Kubra. Deria, tu ferais mieux de ne pas te mêler de mes affaires, ok? Et tu ferais mieux d'y aller. Ce que tu as fait est très mal. Tu pourrais au moins l'aider. Et nous qui pensions que tu étais chouette.
Derrière! Je te frappe avec un fer à repasser et toi tu continues de me suivre? Je t'en supplie, derrière, reviens à la maison. Sans toi, je n'ai plus de vie là-bas. Je m'en balance de ta sœur et surtout de ta mère. Je te dis de me laisser partir! Je t'en supplie. Quand tu étais là-bas, j'avais une vie, s'il te plaît, reviens! Ça me manque tes coups de gueule, derrière! Je ne veux plus jamais te voir de s'il ma vie, s'il te plaît, je ne suis rien sans toi, reviens, derrière! Lâche-moi! Alors, le cloporte, je ne t'avais pas dit il y a quelque temps de ne plus jamais suivre Deria? On peut savoir ce que tu fais, vas-y, je t'écoute. Nous étions en train de parler d'affaires de famille. Je vais te dire un truc, mec. N'utilise plus jamais le mot famille avec elle. Je te préviens, espèce de connasse, okay, que c'est compris. Ça va? Hein? Je viens te reposer au garage. Bonjour. Bonjour, monsieur Kilik. Le directeur vous attend dans son bureau. Ah, vraiment? Ok. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Très bien, viens t'asseoir. Je vais confier le dossier Nalan Kabagoz à Ahmet. Cette affaire est des plus urgentes. Je ne comprends pas, monsieur. J'ai quand même apporté de nouveaux éclairages à ce cas, je vous rappelle. J'étais sur le point d'aller parler avec ce type en prison parce que il y a de fortes chances qu'il n'ait pas tué cette femme. Tu as perdu beaucoup de temps. C'est une cause perdue, Emir, et c'est un cas très urgent. Il nous le faut tout de suite. Sauf votre respect. Tu es heureux ici, Emir? Je le suis. Tant mieux. Alors tu devras apprendre à suivre les règles du cabinet. La première, il va falloir jouer le jeu. Tu fais partie d'une large équipe, tu dois obéir aux ordres du leader. Tu as des objections? Non, monsieur. Tant mieux. Tu peux y aller. Je vais donner le dossier Nalan Kabagoz à votre secrétaire. La visite devra être rapide et pas trop d'émotion, mademoiselle. D'accord. Bonjour, papa. Pourquoi est-ce que tu viens me rendre visite, Kubra? Non, papa. Ne me parle pas comme ça. Je suis complètement en panique depuis que je t'ai vu tomber. Est-ce que tu as mal? Non. Débarrasse-toi de ce machin que tu portes. Papa, ne réagis pas comme ça. Essaie de me comprendre. Je suis vraiment amoureuse de Yigit. Arrête d'être aussi naïf, Kubra. Tu ne vois pas qu'il t'a utilisé, hein? Tu crois vraiment qu'un jour il va vouloir t'épouser? Bien sûr qu'il le fera, papa. Tu verras, je me marierai avec Yigit. Je veux que tu sortes d'ici. Je ne veux pas d'une fille comme toi. Tu m'as amené en bateau. Papa, calme-toi. Il voulait ma peau, alors il t'a détruite. Tu penses vraiment qu'il va t'épouser? Ok, calme-toi. Dehors! Dehors, papa. Je viens de te dire. Dehors, Kubra! Papa! Venez l'aider, venez l'aider! Il se passe quelque chose! Tenez-vous prêts, soyez prêts pour le défibrillateur.